Allez, Noël arrive, on se retrouve dans Hitman avec une petite série de défis très sympathiques sur la carte de Paris aux couleurs de Noël et ça s'appelle Écureuil des vacances. Alors on a deux cibles et quatre défis à faire. Le premier c'est tuer les deux cibles dans le cadre d'un accident déguisé en Père Noël. Deuxième défi ça va être de récupérer tous les objets que les deux voleurs chapardent dans le cadre de leurs interactions. Ensuite, si on arrive à faire ça, il faudra les tuer à l'aide du propane. Et dernier défi, il va falloir neutraliser l'une des deux cibles trois fois de suite en utilisant des briques. Alors on va commencer par le premier défi qui va consister à voler les 12 objets avant les voleurs. Pour ça, on va s'introduire dans les vestiaires en tant que chef cuisinier. On va se prendre les pièces de monnaie. On peut prendre le crochet, mais normalement on n'en aura pas besoin. Et on est parti. Alors il y a deux cibles. Là la première. Et chaque cible va voler 6 objets. Et l'objectif c'est de les voler avant. Là vous en avez un premier objet, une noix de coco. L'objectif c'est de voler les premiers objets de chacune des cibles. Ici vous avez un abricot. Voilà. Donc ensuite on va aller s'attaquer aux objets. La seconde cible qui elle se situe non pas au sous-sol mais au deuxième étage. Par contre on a besoin de changer de costume. Voilà. Là l'objet à voler se situe ici, vous avez la télécommande des feux d'artifice. On est à 3 objets. Ensuite deuxième objet de la deuxième cible. Là, petit couteau. Ça nous en fait 4. Voilà la deuxième cible. On va monter au grenier. Là vous avez un paquet d'objets à choper. Troisième objet et deuxième cible. Hey you, you're off limits. Remain still. Assassin silencieux, donc on peut neutraliser les cibles. Bon, normalement ça passe sans, hein, mais... donc là, un autre objet. Quatrième, ici on va avoir le cinquième, sabre, on va déposer, il va nous gêner, hop. Et le sixième objet, et ici, voilà, la statue. Donc là on a tous les objets, la seconde cible, celle qui était au deuxième étage, maintenant on va redescendre au rez-de-chaussée. Là par contre pour pouvoir passer, alors lui il a des yeux derrière la tête. Ah, on va essayer de passer ni vu ni connu.
pour anticiper le mouvement de la première cible. Man, I wish I had that job. Hey there. Donc on avait récupéré pour l'instant deux objets. Un troisième ici, un boulet. That's okay. Et ici vous avez un petit char, quatrième objet. Ici vous avez une hache, c'est le cinquième. Et le dernier, douzième objet est pas loin. C'était pas assez de la hache. Ah. C'est le shuriken, voilà. Donc défi petit lutin de Noël. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va attendre que nos deux cibles se réunissent. Par contre, là où elles partagent normalement leur butin, elles vont partager du vide. Ça, ça se passe au sous-sol. Et c'est ici. Vous voyez, il y a un sac à dos, il y a un drap. Chacune des deux cibles va poser son butin ici, donc nous, on va les attendre. Apparaît le Père Noël de manière aléatoire. Gros bonhomme rouge, on va se le neutraliser. Putain, il est équipé. Hein. Ça va nous servir pour les autres défis. Voilà. Alors, pour moi, il apparaît de manière complètement aléatoire. Donc, je vous conseille d'attendre ici. Et de voir quand il réapparaît. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va attendre nos cibles, mais on va préparer également le défi. Il faut être déguisé en Père Noël et tuer les cibles dans un accident pour ça. On va se prendre... extincteur, on va se mettre ici. Voilà. On va se cacher en attendant les cibles. Alors voilà, les deux cibles sont en train de se rejoindre, sachant qu'il y en a une qui est arrivée pour moi bien avant. Il faut vraiment attendre, attendre, attendre. De la patience. Voilà. Les deux vont se rencontrer.
une arme à faire le succès, l'accident. Attention. Both targets are down. Great work. Now head towards an exit. Team par accident maintenant. Il n'y aurait plus qu'à partir. Voilà. Oh oh oh. Donc, nouveau défi. Maintenant on va faire celui avec. Donc on se retrouve pour le défi du propane. Ça va être à peu de choses près identique. Donc, au lieu d'utiliser l'extincteur et que ça fasse un accident. Alors au début je pensais qu'ils allaient naturellement se retrouver. Tout près où il y a déjà le propane. Finalement ils y vont pas tout de suite. On va un petit peu accélérer la manœuvre. Alors, défi des briques, on va commencer au niveau des enchères. Alors, pourquoi les enchères? Parce que vous avez tout près un gros cadeau avec deux briques. Donc ça va nous être très utile. Alors on en a besoin de 3 au total. Comme à chaque lancée. Oups. Pas par là qu'il faut descendre. Oh. Ah, don't mind me here. Security's. Là on devrait tomber pas très loin de la cible. Par contre, on va récupérer un déguisement pour pouvoir se balader facilement. Mais avant tout, on va aller chercher la dernière brique dont on a besoin. Il se trouve qu'il y en a au tout début de la map, quand on prend l'entrée classique. On peut profiter du très très joli décor. Hop. Et donc voilà. Troisième et dernière brique dont on a besoin. Par contre, il va falloir faire en sorte que les gens voient la cible. Miro le garçon. Hey, it's me. I think I got a serious situation with a possible dead body.
Hey, time to wake up. Wake up, I said, okay? Hey, enough. Hey, wake up! Any idea who we should be looking for? Sorry, it could be anybody. Oh, gonads. Anybody there? Victim didn't see the perp, sir. No ID, sir. On va remettre ça. Cacher le corps. La même punition. On va tirer du civil. Just unconscious. Hey, somebody want to help us out over here? Soit un garde qui le relève. Come in, Central. Damn, someone mopped the floor with this one. All right, you there? You there? You better get out of here. I saw you throw. Et voilà, 547. Et donc, méchant 47. Voilà pour cette série de défis. Ho ho ho. Petit lutin de Noël, ça sent le sapin. Méchant 47. Et donc saint 47. Voilà, en espérant que cette vidéo vous aidera à réaliser ces défis. Et moi je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. À très bientôt.